face à l'enlisement de la crise anglophone, fuite en avant du fait de pointer du doigt un complot contre le Cameroun, alors qu'un partenaire stratégique recommande au gouvernement camerounais d'aller vers une solution pacifique et durable de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ben, monsieur Masson n'en est pas informé. Il y a eu une médiation suisse et le président Paul Biya a été approché et on aurait informé qu'il y a eu des vidéoconférences où chacun demandait $1 million, chacun demandait sa part du gâteau. Non, c'était pas une médiation, c'était des travaux c'était par rapport terrible. À où on a appelé quelques c'était acteurs. Terrible. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à s'inquiéter qu'il s'agit effectivement d'un partage d'argent. Je suis en train de dire, et je le dis ici, que peut-être qu'il ne suivait pas les travaux au début, mais tout le gouvernement dormait à Bamenda. Pendant les moments où on discutait avec le consortium, et toutes les résolutions qui avaient été prises ont été accédées, on leur a concédé.